avant les championnats du monde en Chine de 99. Et on retrouve Ludivine, la divine surprise des championnats du monde de Sabae au Japon. Ludivine Furnon, c'était en 95, elle nous avait étonné et ébloui tout le monde en obtenant une médaille de bronze. Depuis, elle a pris l'assurance. Et puis, la petite Nîmoise qui s'entraîne à Marseille, eh bien, a toujours au sol beaucoup, beaucoup de choses à dire. Allez, c'est parti. Double tendu. Double tendu, percuté. Oh là là. Bien. C'est bien. Signera aussi sa position favorable actuellement à la Coupe du Monde puisqu'elle est deuxième juste derrière Cortina. Elle a embelli son mouvement. Par des petits mouvements de danse. Oh. On dirait qu'elle est pressée d'en finir. Et avant percuter, celle doit avant corps carpé. Souffle avant la diagonale principale pour finir double salto carpé, petite réception difficile. L'équipe de France applaudit Ludivine, mais chacun sait tout de même qu'il y a eu quelques dixièmes qui se sont envolés dans la première diagonale et à la fin. Oui, juste deux petites fautes de réception sur un enchaînement très difficile. Alors suivons là dans son ralenti, tempo, l'impulsion et ici la double vrille où elle met un genou à terre. Alors deuxième actuellement du classement de la Coupe du Monde au sol, Ludivine Furnon devra demain, si elle est en finale,